ce petit haul Zeman. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans un tout petit haul Zeman. Donc, à mon avis, il sera jumelé avec le vlog du jour. Donc, on va commencer tout de suite par le haul Zeman. Et puis ensuite, je lancerai le vlog de la journée. Parce que, à mon avis, il sera trop court pour dire de faire autre chose. J'ai repris des chaussettes. Alors, j'ai repris ces chaussettes-ci. C'est celles que, je prends régulièrement, mon chéri. Je les prends ou en gris ou en noir. Et donc ici, c'est des 39,46, c'était 3,99€ pour les 5 paires. Elles sont pas trop épaisses, elles sont assez confortables. Et voilà, j'en rachète régulièrement, comme ça, il y en a toujours un bon petit stock. Pour les garçons, parce que les filles, elles mettent pas énormément de chaussettes, surtout en été. Hein. Elles en mettent, mais en hiver, en été, c'est souvent des petites sandales et des choses ainsi. Donc j'ai repris pour les garçons, c'est du 35,38, j'ai repris 9 paires. De le coq sportif, des petites soquettes comme ça pour mettre dans les baskets. Donc voilà. Et elles sont très bien aussi. J'en ai pris d'ailleurs pour moi. J'ai pris des 39,42 pour moi. C'était 3,99€, donc c'est 1€ en plus. J'en ai repris aussi 9 paires pour mettre dans mes baskets parce que je mets énormément de baskets comme vous le savez. Je mets quasiment que ça l'été, c'est rare quand je mets une paire de sandales, hein. J'en même. C'est vraiment très rare. Moi je les aime bien, elles sont confortables, elles tiennent bien. Et même quand je suis ici à la maison, je les mets, je marche à pieds nus avec. C'est parfait, parfait, parfait. Ensuite en habit, j'ai repris deux t-shirts, c'est les deux les mêmes, comme ceci, pour les garçons. Il est marqué Kahala Beach Honolulu. J'ai pris un 146-152, c'était 3,99€, avec des petits palmiers, des petits oiseaux, enfin, le truc fleuri qu'on voit pour l'instant, et les manches ici en finition qui sont un peu repliées comme ça, j'aime bien. Donc voilà, j'ai repris, c'est les deux les mêmes. Voilà. Et ici c'est un 158-164. Pour Vénitio, il n'y a que la taille qui change, il y a une taille de différence entre deux. Voilà. Ou sinon c'est le même design. J'en ai repris un comme ceci, très long. Je l'ai pris une taille supplémentaire, c'est pour Zoé, ceci orangé. J'ai pris une taille supplémentaire pour qu'elle puisse le mettre tout de suite ses leggings. Et que ça soit pas trop court avec un legging. Je crois qu'elle a un legging blanc et un legging gris qui iront bien avec. C'est premium, original, super. Paiko, c'est pas ce que ça veut dire. Je l'ai pris en 146-152 pour faire genre petite tunique. Je pense qu'elle met du 140. Ouais, elle met du 140. Je la regarde parce qu'elle a la même chose qu'elle met du 140. Et ça, c'est vraiment pour faire petite tunique bien longue. Pour mettre sur ses petits leggings à la mer en été, etc. Si ça fonctionne bien, j'en reprendrai deux ou trois comme ça. Toujours pour Zoé, je lui ai pris une robe dans la section adolescente. J'ai pris 8-10 ans, donc 134-140, il me semble bien qu'elle mettait 140, et moi j'ai pris 146 pour faire la tunique. Donc voilà, c'est une robe comme ceci, très longue, elle est légèrement fendue ici derrière, vous voyez, voilà. C'est un dessus pas trop ouvert, avec des belles petites manches, les finitions sont pas mal malgré que ça vienne de chez Zeman. Le petit dessin, c'est un petit dessin genre, voilà, beach, hein, comme ses frères. Et la petite ceinture ici qui se referme avec un petit lacet rose. J'aime bien, les finitions sont bien. Et le t-shirt est quand même. La matière t-shirt est quand même bien épaisse. Ensuite, pour Angelina, j'ai trouvé une robe. J'avais déjà acheté quelques petites choses pour Angie que je vous ai toujours pas montré ou que je vous ai montré, je ne saurais plus. Enfin, soit je ne sais plus si je vous les ai montrées ou pas, mais j'ai vu cette petite robe qui était juste canon, mais juste magnifique. Elle était à 7€. J'ai pris 4-6 ans, donc 110, 116. Bonjour. 110, 116. Je la trouvais superbe. Elle est doublée. Oui, l'intérieur est bien doublé. Ça se ferme avec des petits boutons ici derrière. Elle est un peu, vous voyez, un peu froncée ici sur les bords. Et elle est lignée. Et dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais de côté de chaque ligne, il y a des petits.
des petits brillants comme ça pailletés un petit peu. Je l'ai trouvé juste magnifique. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ça que je vous dis, c'est pas très long, parce que c'est en ligne, parce qu'on a, enfin, j'évite toujours de retourner au magasin pour l'instant, en tout cas le maximum. Quand je sais prendre en ligne, je prends en ligne. Et donc j'ai pris 44, la taille 44 pour moi c'était 10 euros, donc 9,99 €. C'est une très longue robe pour moi, voilà, avec des très fines bretelles comme ceci. Dans le dos aussi, c'est bien fermé, comme j'aime bien. Et c'est froncé comme ma fille, donc c'est serré à la taille, mais c'est hyper, hyper élastique. Donc vous êtes super à l'aise et elle est vraiment très longue également. Mais elle, par contre, hop, je vais regarder, mais je pense, non, elle est bien fermée. Donc voilà, il n'y a pas de truc. C'est un dessin bleu foncé, bleu clair, blanc. Enfin voilà, j'ai bien aimé. Donc j'en ai été à 56 euros. Mais évidemment, ouais, 56 euros. Donc voilà. Donc c'était bien 6,99 €, 9,99 €, 5,99 € pour la robe de Zoé. Et puis après, il y avait les t-shirts à 3,99 €. Les chaussettes de mon chéri à 3,99 €. Et puis après, il y avait les coques sportives qui étaient à 8,97 € pour les 3 paquets. Donc voilà. Donc je suis assez contente d'avoir reçu mon petit colis. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc comme vous l'avez vu, on a commencé par un petit haul Zeman. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, en meilleure forme que moi, parce que oui, je me suis un petit peu tordu le poignet hier en portant Angelina. Donc voilà. On est vendredi, il est un petit 9h30 du matin à tout casser. Le facteur est déjà passé, il nous a filé tous les colis. Et donc voilà. Je vous ferai un haul AliExpress, mais pour le moment, j'ai pas tout reçu. Et je vais vous faire également une vidéo dimanche de ma préparation de repas pour la semaine. Donc je vais essayer de filmer ça dimanche, si le poignet le veut bien, évidemment. J'ai déjà mis tourner à la vaisselle, j'ai déjà rangé la cuisine derrière. Voilà, elle est toute rangée. J'ai déjà mis tourner une machine. Angelina s'est réveillée, elle a déjeuné. Et puis elle a demandé à sa soeur à remonter jouer dans la chambre en haut. Donc c'est Zoé. Oh, j'ai un petit truc sur mon écran. C'est Zoé qui l'a remontée. Fais ta bouche, t'as du chocolat, on voit que tu viens de déjeuner. Donc voilà. Au programme de la journée. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait au niveau de la cuisine, j'ai déjà fait tourner la vaisselle, j'ai déjà mis sécher la machine. Il n'y a pas assez de linge sale que pour en refaire tourner une, donc je suis à jour dans mon linge. Je suis très contente. Je vais aller mettre tout ça en haut, parce que moi je les lave pas spécialement avant de les porter. Pas l'intérêt. Et moi, je veux faire une vidéo. Et donc, du coup, aujourd'hui au programme, c'est vider le frigo, le laver correctement, jeter ce qui doit être jeté, mais jamais grand-chose à acheter chez moi. Et comme ça, c'est fait. Regarder au niveau du congélateur pour le re-ranger un petit peu, retirer les bacs de glace qui sont vides, mais que mes enfants referment et remettre dedans comme si on n'avait pas vu qu'ils avaient mangé la glace. Donc je vais m'occuper de ces deux appareils-là pour qu'elles soient vidées parce que je vais faire des courses et je vais changer ma façon de faire. Donc du coup, il me faut de la place pour stocker. Donc voilà. Pour le moment, on n'annule toujours pas les rendez-vous malgré que c'est remonté à 100. On n'annule pas les deux rendez-vous parce que moi déjà, j'ai très mal à ma dent. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour ma dent du fond. Ça fait quand même 3 mois que je dois aller chez le dentiste. Et puis ensuite, le 30, on va à la neuropédiatrie avec Angelina, mais l'aile de neuropédiatrie ne se trouve pas dans l'hôpital même. Elle se trouve sur le côté. Bon, je rallume la caméra après avoir fait la loi à la maison. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, ils m'ont coupé, donc je ne sais plus où j'en étais. Et puis il y a un truc qui se trouve pas dans l'hôpital. Quoi? Et puis il y a un truc Oui, voilà, qui se trouve pas dans l'hôpital. la neuropédiatrie ne se trouve donc pas dans l'hôpital de Sainte-Isabeth, mais c'est un gros bâtiment qui se trouve sur le parking de l'école. Et donc, du coup,
on n'a pas de contact avec on n'a pas de contact avec les patients autres que les enfants, comme on dit. Donc pour le moment, on garde ces deux rendez-vous-là. C'est très bien, j'ai tourné le téléphone parce que mon fils est en caleçon et vous lavez après. Donc voilà, je vous ai présenté les petits articles. Je vais essayer de vous faire un haul AliExpress, mais il faut que je reçoive tout et que je vous présente tout article par article. Et vous savez que sur AliExpress, c'est plus compliqué à faire les hauls. Donc ça prendra un peu plus de temps et voilà. Donc du coup, je vais aller faire tout ça. Je vais me faire un petit cappuccino vanille. Là, tout le monde est remonté parce que Angelina est toute seule en haut et donc du coup. Ils ont déjeuné, enfin ils ont fait leur tartine et ils sont montés. Donc voilà, la maison elle est à peu près correcte, hein, je veux dire, il n'y a pas, grosso modo, la cuisine. Voilà. La buanderie. Hop. Il y a mes chaussettes à replier. Et il y a juste ça comme linge, donc il y a une tenue, donc je ne vais pas faire tourner maintenant. Au niveau de la salle de bain. L'évier avait été fait hier, les essuies sont rependues, la douche est faite. Donc, au niveau du ménage, ici, de ce côté-ci, c'est bon. Le sol a été lavé hier, donc je passe un coup d'aspirateur parce qu'Angelina a soupé, a déjeuné. Je vais ranger les linges qui sont là que je viens de vous présenter. Au niveau du bureau, etc., ben, voilà. La salle de jeu, etc. Donc, ici en bas, c'est bon. Comme je vous ai dit, je vais juste passer un petit coup d'aspirant. Et ça sera bon ainsi. Donc voilà, en haut, ça va aussi. Il y a juste deux ou trois petites choses à redescendre de notre chambre. Le biberon de la petite qu'elle a bu hier soir. Une bouteille d'eau qui est vide à côté de mon lit que j'ai fini hier soir. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. On a déjà coupé ma nappe. Petit truc. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, je vais faire vraiment le frigo, le congélateur. Et regarder encore des vidéos sur ce thème-là. Il y a des vidéos, c'est des vidéos qui ont été faites il y a 3 ans, il y a 2-3 ans. Donc c'est des gens qui ont déjà une bonne habitude du roulement. Donc voilà, on va faire ça. Et demain, donc, on va faire le gros chargement de courses. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça et je vous ferai une petite vidéo alors pour vous montrer un peu l'organisation. Mais je n'ai pas encore tout parce que j'ai encore des boîtes à reprendre de ma grand-mère que ma maman a chez elle. Elle m'a dit qu'elle avait assez bien récupéré de bocaux que ma grand-mère utilisait pour mettre son café, en verre, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses ainsi. Donc, du coup, je vais les récupérer pour continuer mon rangement. Et j'aimerais bien commander les 2-3 bouteilles, je vais le faire à mon avis aujourd'hui, commander les 2-3 petites choses encore que j'ai besoin sur AliExpress pour vraiment finaliser le rangement de mon frigo. L'organisation de mon frigo, vous le verrez quand j'aurai tout fait, c'est quand j'aurai vraiment tout mis en ordre. Parce qu'avec le coronavirus, en fait, je vais pas beaucoup dans les magasins. Je veux dire qu'on essaie de se limiter au niveau des magasins. Donc voilà, ça je ne sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais les mettre spécialement pour partir en vacances ou est-ce qu'ils vont déjà les mettre? Je pense que la petite robe comme ça et celle-là, je pense que les 3 robes, on va les mettre en fait pour l'anniversaire de Zoé. Et les 2 t-shirts aussi des garçons, ils vont les porter pour l'anniversaire de leur sœur dans 15 jours. Donc ça, voilà, je verrai après quand je les aurai lavés. Si on les prend pour partir en vacances ou pas, je verrai bien. Donc, je vais aller faire mon café et puis je vous reprends tout de suite. Je crois qu'il va être midi. Il y en a déjà un qui est venu manger une tartine. Moi, j'ai mangé quelques chips parce que je dois faire des courses. Je dois aller acheter de quoi faire mes repas équilibrés le midi. Angelina est en méga forme. Elle est en train de jouer avec sa sœur, elle veut aller mettre en couleur, donc je pense que Zoé va aller la mettre sur la table d'activité.
Je vais la faire peinturer, comme ça j'ai le temps de nettoyer le sol. Voilà, on va mettre là parce que Zoé a demandé à laver le sol. À la base, moi j'avais fait tout l'aspirateur et puis elle me dit au moment je peux laver le sol et puis je dis oui si tu veux. Donc voilà, voilà. Au niveau de la maison, ben voilà, c'est fait. Il y a une machine qui tourne, j'ai quand même eu assez pour compléter. Avec les deux couches d'hier soir et d'aujourd'hui matin d'Angelina. Plus, je fais ça parce qu'il y a mes fils qui sont là et qui sont. Hein. Plus quelques vêtements et paires de chaussettes. On a réussi à faire une machine, histoire d'en avoir fait encore une avant le week-end. Là, il y a un peu de bruit parce que, comme je l'ai dit, les enfants sont tous en bas. Ils vont manger. Et voilà. Et donc, du coup, je vais bientôt les téléphoner à leur papa pour leur dire, lui dire que j'ai reçu un message de son magasin informatique comme quoi toutes les cartes Wi-Fi étaient en ordre. Mon bouton commence à partir, je suis bien contente. Donc voilà, voilà. Donc là, Zoé est en train d'installer Angie pour mettre en couleur. Et les garçons sont en train de se servir pour manger dans le frigo. Moi, après, je vais vider le frigo et le laver à bon coup. Et ranger au niveau du congélateur parce qu'il a un petit peu cradouille. Donc voilà, rien de bien passionnant aujourd'hui. Je vous dis, pour le moment, il fait calme. Donc il n'y a rien de bien passionnant à vous expliquer. Après-midi, je vais faire ça et puis. Il va peut-être falloir changer la bouteille de gaz dans la stream. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure quand il fera un peu plus calme pour clôturer ce vlog et puis je dois monter celui d'hier que j'ai pas encore monté. Comme vous le voyez ici, on a un petit spectacle de marionnettes. On a installé Angelina sur sa petite chaise avec des chips et Zoé a ouvert la fenêtre qui se trouve entre la salle de bain et ma cuisine. Et donc du coup elle fait un petit spectacle de marionnettes avec les nounours d'Angelina et visiblement ça a l'air de doucement Angie, ça a l'air de plaire à Angelina. Mange doucement les laits. Salut Angie, tu veux que je vienne sur ton cou? Ok, je vais retourner moi, bye bye. Je vous reprends, comme vous l'avez vu, il y a un petit spectacle de marionnettes. Voilà, c'est improvisé, c'est Zoé. Donc voilà, donc du coup, elle occupe sa petite sœur et elle m'a nettoyé mon sol. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis en train de sortir tout. Le congélateur, je l'ai vidé et on a nettoyé tout le frigo. Donc voilà, il est propre. Et il n'est pas si vite que ça, l'air de rien. Donc voilà, voilà. Du coup, ici on a le lait d'amande, l'eau. Que voilà, ici c'est pour les pots de yaourt qui sont entamés et qui sont ouverts, que voilà. Et alors ici au-dessus, comme vous le voyez, je l'ai mis à l'envers en fait, comme ça il y a un petit trait ici. Et donc ça sera tout ce que je vais mettre en réserve derrière et que les enfants ne vont pas pouvoir attraper et manger en 30 secondes et demie. Donc voilà, et le gros congélateur a été également vidé, mes boîtes sont là, je suis en train de les rincer. Voilà, c'est des boîtes comme ceci pour le meal prep et pour préparer mes fruits, etc. en avance. Tous les enfants ont mangé un bout, des chips, des petites tartines, enfin voilà, un petit repas de midi improvisé par une maman qui avait très mal au poignet et qui a encore très mal au poignet.
Donc voilà, là il y a encore des glaces qui sont ou vides ou très anciennes. Et donc là, le congélateur, par contre, on voit qu'il a pris un petit coup. Parce que le tiroir là, il est vide. Ce tiroir là, c'est des légumes que je n'ai pas fait, que j'ai acheté chez Bofrost. Là aussi, il reste des carottes que j'ai acheté chez Bofrost. Voilà. Mais majoritairement, hop, vous voyez, on a bien vidé. Ici, il n'y a pas de. À part les glaces, parce que les enfants, en fait, ils ne referment pas bien les couvercles des glaces. Donc, c'est un peu chiant. Mais sinon, le restant, voilà. Le sol a été fait par Zoé. Le sage est tombé. Donc voilà, le sol a été fait par Zoé. Je passerai juste un petit coup d'aspirateur parce que j'ai vu que Angelina avait mis des chips un peu par terre, mais je ferai ça après. Donc voilà, il y a une machine qui a séché et une machine qui a tourné. Et donc là, vous êtes dans l'envers du décor du spectacle. Donc voilà. Donc le spectacle, il se fait ici, dans la salle de bain. Vous voyez la fenêtre, en fait, elle donne simplement dans la salle de bain. C'était une ancienne cour avant. Et donc, du coup, Zoé est en train de donner un spectacle par la fenêtre de la salle de bain. Moi, j'ai récupéré mes pulls et tout ça parce que... Donc voilà, elle est en train de faire un petit spectacle improvisé pour sa petite sœur. Et donc voilà, je pense que j'ai bien avancé. Mon chéri ne reviendra pas tout de suite après le taf puisqu'il va chez mon frère regonfler ma poussette parce que les pneus de la poussette sont dégonflés. Et ensuite il va rentrer, je vais faire un truc rapide, des pâtes, jambon fromage. Voilà, ça sera vite fait, bien fait. Là je vais boire un bon coup, il faut que je me lave les cheveux ce soir, absolument. Et donc voilà, il reste un petit coup d'aspirateur de ce côté-là parce qu'on l'a pas encore fait. Et voilà, et vider toutes les boîtes en plastique ici, les relaver correctement pour faire, pour faire des boîtes supplémentaires pour le meal prep. Et du côté ici, ça va, c'est propre, c'est rangé. La salle de jeu et la salle d'activité sont quand même correctes. Donc je suis assez contente. Ça reste quand même relativement rangé. Donc voilà, je suis en train de refermer le coffre parce que Angelina a fait de la peinture. Il faudrait que je rachète des peintures d'ailleurs. Donc voilà. Mais ça reste quand même relativement bien rangé. J'ai un peu mal encore. Donc voilà, ça reste relativement bien rangé. Et ça se range assez facilement parce que tout a une place. Donc en fait, même si ça se dérange dans les quelques secondes qui suivent, comme tout a une place bien définie, vous remettez en place et c'est bon. Quoi, voilà. Et ça, c'est nickel. Donc voilà. Hop. Du coup, j'ai aéré un petit peu. J'ai ouvert la fenêtre qui était là derrière pour aérer un petit peu en bas. Et je vais achever ça à mon aise, regarder des petites vidéos sur internet, voilà, des petites choses ainsi pour finir la journée à mon aise, vider le lave-vaisselle, le re-remplir, enfin ce genre de petites choses qu'il y a à faire du quotidien. Voilà, ces boîtes-là je les garde pas parce qu'il n'y a plus de couvercle, etc. Donc ça va être tout de suite en PMC. Et voilà. Donc je vous montrerai évidemment le frigo quand il sera terminé. Coucou. Mais il reste encore les pour les bouteilles que j'ai pas encore. Enfin j'en ai vu sur AliExpress qu'elle a l'air pas mal au niveau entretien et au niveau design. Donc j'espère que on verra. Je vais essayer de les commander. Je les commande, mais j'ai pas encore eu le temps en fait. Et voilà. Donc voilà. Moi je vais vous faire de gros bisous. On se retrouve ce week-end pour un énorme retour de course. Et évidemment celle que vous attendez toute la vidéo sur la préparation de tout.